Le département de Loire-Atlantique désormais peut revendiquer sa cuvée de muscadet. Une cuvée élue à l'unanimité des connaisseurs sous le nom de Oh là là. Le dernier là de Oh là là veut dire la Loire-Atlantique. Et cette cuvée, ce muscadet extraordinaire et vainqueur, c'est celui du domaine de la Tour du Ferré sur la commune de Valette. Petite visite à domicile chez Françoise et Philippe Douillard, les viticulteurs propriétaires du domaine de la Tour Ferré. C'est ce qui regroupe finalement toute la publicité autour de le vignoble et découvertes, finalement le tourisme. Et donc on peut finalement s'inscrire dans cette charte et donc il y a eu une sélection qui a été faite. Ça existe depuis 3 ans, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est la 3e année et donc nous on est lauréat pour la cuvée 2012. Alors vous me disiez à l'instant, ça fait 28 ans que vous êtes installé en tant que viticulteur ici à Valette. Et qu'est-ce que vous avez eu comme récompense avant celle-ci? Alors avant celle-ci, les plus grandes récompenses, ou peut-être celle qui fait le plus plaisir à mon mari, c'est la pipette d'or en 2002 sur un millésime 2001. Donc qui a lieu à Expoval tous les ans, et je pense que ça c'est la plus grande des récompenses, je crois que mon mari a vraiment aimé. Expoval à Valette, comme ça se passe chaque année. Où en est un petit peu la situation du vignoble, du muscadet en tout cas, et de nos jours? Oh ben, malheureusement, le muscadet, il subit pas mal de soucis, mais je pense que il a toujours été très bon, le muscadet. Donc je pense que les gens le consomment quand même. Après, il y a la crise générale, suite où les gens consomment moins ou font très attention. Mais je dirais que la crise, ben, faut la subir, mais à un moment donné, faut se donner les moyens aussi d'empêcher qu'elle nous écrase un peu plus. Il faut se battre. Alors, il y a beaucoup de vignes qui disparaissent. Les gens arrachent leurs vignes, comme on dit, dans le secteur. Ouais. C'est inquiétant ou pas, d'après vous? Non, puisqu'il y a aussi des domaines qui s'arrêtent, des gens qui ont pris leur retraite. Après, il y a des surfaces qui changent parce que la consommation change. Donc on adapte, ça veut dire que si un domaine a beaucoup de ventes qui étaient situées sur des choses qu'il ne rapportait pas, il préfère arracher ou alors ne pas avoir trop de charges, puisque les charges ont augmenté. C'est ce qui peut aussi ne pas aider une entreprise ou une exploitation viticole. Donc on adapte finalement à la demande et aux besoins. C'est pas la peine d'avoir trop grand si on n'arrive pas à le vendre. Alors l'année prochaine, un autre prix, une autre récompense peut-être? Ah pourquoi pas, on est toujours preneur. C'est pas forcément que pour soi, c'est aussi pour la clientèle. Finalement, apprécier une récompense, c'est montrer aux gens qu'on essaye de faire toujours mieux et encore mieux. On ne doit jamais être satisfait et finalement une récompense vient combler finalement de se dire qu'on travaille bien et qu'on ne doit pas se tromper. Un hectare que ce muscadet Sèvremaine qui sera servi à chaque manifestation organisée par le département de Loire-Atlantique.